Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included, c'est le 17e épisode, et après la panne d'eau, c'est la panne de charbon, c'est la panne électrique complète dans la base, voilà, complet complet, comme à chaque fois que je recharge une partie, la totalité bien entendu de l'eau polluée de la case est sortie. Il la remet dedans, remarque, hein. J'ai l'impression qu'il la remet dedans, pas sûr. Bon, et du charbon, il y en a là. Il y en a beaucoup partout. On va aller ramasser tout ça. Là. Là. Pénurie alimentaire. Alors, 2 secondes. Hein. Excusez-moi d'être peut-être un petit peu chiant, mais chaque chose en son temps. Bon, là, j'ai mon problème, c'est que j'ai mon charbon qui est là. Et que lui, il n'est pas approvisionné par le charbon. Alors, je pourrais faire un autre stockage. Ou je pourrais replacer mes générateurs qui sont pas très compliqués à installer. Je pourrais les replacer autrement. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Un, deux, trois. C'est parfait. Là, j'ai une batterie. Non, bon, allez, ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Charbon, c'est 8. Normalement, il y a quelqu'un. Ah, ils mettent direct dans le. Vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qu'ils vous prennent de mettre dans le. Ok. On a combien de charbon? 5 tonnes. Plus qu'on va prélever bientôt, ça devrait aller. Par contre, après, il faudra aller chercher plus loin. Bon, ici, on aura encore un peu de réserve. Bien, on va commencer à penser à notre extension de base. On va quand même regarder si ça marche bien l'eau là. Ça marche bien, hein? Pour moi, ça marche bien, hein, ça fonctionne. Alors évidemment, il remplit un bassin dont il sert pour faire plein de bouffe. Mais en même temps, la plein de bouffe, on en a besoin. Un peu violent. Et voilà. Après, là, je me dis que ça tourne peut-être un petit peu vite. Parce que regardez, il y a de la glace qui arrive là, ça m'embête un peu. Ouais, je voudrais que ça tourne moins vite. Donc, je vais faire ce que j'avais pensé. Et en plus, ça me permettra de régler le débit. Alors, je veux que lui, il s'allume par intermittence. Un seul coup. Et puis qu'après, il attende. Donc, je vais utiliser un filtre qui va attendre d'avoir le qui va recevoir un signal et qui va le changer. Donc, je mets un filtre. Le filtre reçoit un signal. Il le transmet. Donc, je reçois du vert, je transmets du vert, mais pas tout de suite. Ça veut dire que je suis passé rouge entre-temps. Ça veut donc dire que dès que j'émets du vert, je reçois du rouge. Donc, j'émets du vert, je reçois immédiatement du rouge. Donc, je m'arrête d'émettre du vert.
Normal. Je crois que c'est ça, hein. C'est ça ou c'est pas ça? Je déteste ça. Donc, j'émets du vert. Je reçois du rouge. Donc, j'émets du rouge. Je reçois du vert. Mais là, pour le coup, j'attends. Ouais, c'est ça. Faut que je mette une porte-note. Donc. Lui, il a du vert. Il transmet du vert. Ça envoie du rouge. On reçoit du rouge. Il se passe rien. J'envoie du rouge. Il reçoit du rouge. Il émet du vert. Je reçois du vert. J'attends avant d'envoyer. C'est très bien. Sauf que je veux pouvoir le couper. Donc, pour pouvoir couper, il faut que ça soit ça marche. Et qu'en plus, mon interrupteur dise que ça marche. Donc, je mets une porte AND parce que c'est les deux. Lui plus l'interrupteur. Si les deux sont verts, alors ça va devenir vert. Ça va transmettre là-bas. Bon. Voilà. Ça. Vous m'avez compris, il y a 100% de chance pour que ça marche du premier coup. Je vois le truc se faire là, je me dis mon Dieu. Ah, ils peuvent pas le faire de toute façon. Ok, allez. Là l'autre il sert carrément. Pourquoi tu le remplis plus le truc là? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Marche pas, hein? On va voir ce qui se passe. Très bien. Ouh là là, c'est vert partout. Donc. Il attend 5 secondes pour envoyer un signal vert quand il a reçu un vert. Mais là, il envoie un vert. Par contre, ah bah oui, j'ai fait la jonction ici. Ok, il faut pas faire de jonction au milieu des trucs. La porte-note, annuler la démolition. Allez, go! Démolissez-moi ça. Merci. Merci deux. Très bien, mais maintenant il faut me refaire le câble. Voilà, on recommence. Ça aurait été trop beau, hein. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un vient faire ça, que je vois si ça marche, parce que pour l'instant la glace elle fond là. En même temps, c'est ce qu'on veut. Ah! Attention, suspense. Ça marche pas. C'est pas une porte-note, ça. Il envoie pas un. Ah, je l'ai fait là aussi. J'ai fait deux fois la même gag. Vous le croyez, ça? Est-ce que quelqu'un le croit vraiment que j'ai fait deux fois le même gag? Allez, on va pouvoir enlever ça. Parce que je suis sûr que ça va marcher du premier coup de maintenant.
C'est le deuxième premier coup. Le troisième. Est-ce que ça se remplit d'eau là? Non, ça se remplit pas parce que de toute façon il l'a vide pour faire de la bouffe, c'est ça? Ah oui. Ouais bon, en tout cas on arrive à tourner. Même les super ordinateurs attendent 269 kilos d'eau. Je sais pas s'ils auront. Là la glace en tout cas elles font bien en attendant la pauvre glace. T'en es à combien toi? T'es à moins 10 degrés. Ah, des cadeaux! Des œufs de gluant. C'est quoi les gluants? Qui consomment du dioxyde de carbone et exultent du pétrole brut? Mais grave, il me faut ça! Donc, comment je vais les déplacer? Les mettre là en bas? Alors, est-ce que ça marche? Oh, regardez, je crois que ça marche. Marche pas. Parce que j'ai pas fait mon lien là. Je recommence. Voilà. Hop. Voilà, on va y arriver. Mets-moi le truc. Voilà. C'est sympa. T'as fini le ramassage ou toujours pas là parce que c'est du... Ah, alors on y va. Marche pas. Il s'est pas ouvert lui. Ah, c'est parce qu'il est vide. Et ça marche. Par contre ça fait 5 secondes mais comme je suis en x2 c'est super rapide. Par rapport à ce que ça faisait avant, je vais mettre 20 secondes. Tu vas t'arrêter là. Et bah du coup là ça va faire circuler tout, c'est normal vu que ça avait tout fondu ça. Il est tombé. Il courait, il s'est cassé la gueule. Non mais je jure, mais ce truc, ce jeu, il est tellement délirant quoi. Voilà, j'attends, hein, j'attends que mes caisses vides soient passées. On a pour un petit moment. Voir si le délai est bon. Mais elles disparaissent là. Regardez-moi ça, les coquines. Ah y est. On y est. Et hop là. C'est propre, hein. Je trouve ça bien. Bah oui. Et tout ça est né dans ma tête. Allez. Allons-y. Là, il y a de l'eau, hein. Là, on est... Pff, non, pas terrible. 600 kilos. 100 kilos, ouais, mais ils prennent l'eau par tellement nombreux, quoi. Bon, mon charbon, on stun. On va pas aller bien loin avec tout. Au moment où je dis ça, on perd 400 kilos, quoi. Ouais, on va pas aller loin. Ah, ça par contre, ça me plaît pas. Donc, hop. Hop, là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Ça m'énerve, les portes qui fonctionnent pas, là. Voilà. Allez go, vous me faites ça. Ici, il me faut les œufs de... De gluant.
S'il vous plaît. Et puis alors urgent, hein. Avant qu'ils éclosent, quoi. On a même de... C'est quoi ça? Voilà. C'est juste de l'eau. Recherche terminée. Bon bah écoutez, c'est pas aussi spectaculaire que ce que j'aurais aimé avoir l'eau. Mais alors, ne nous laissons pas leurrer pour l'eau. Parce qu'en fait, bien entendu, toute cette eau est recyclée et transformée en eau sale la plupart du temps, hein. Et cette eau sale, on va pouvoir s'en servir pour la recycler en eau propre. Et à partir du moment où on aura fait la boucle, là, ça sera déjà nettement plus propre. Allez hop, ce coup-ci, on va définitivement t'autoriser à remplir les trucs là. Pour te débarrasser de tout. Voilà. Ici, on va autoriser les gens aussi à te remplir. Et comme ça, le ménage va se faire. Non, on va faire en sweep seulement. On va faire du sweeping. Allez, c'est parti. On va faire du sweeping à 6, tiens. Voilà. Ils vont tout mettre là-dedans. Très bien, et on va pouvoir commencer notre travail ici. Notre travail ici, il va consister. Bon, déjà, il faut vérifier qu'on a toujours de la glace, mais je pense qu'on n'a pas de souci. On a toujours de l'eau. Je suis tellement inquiet pour l'eau, mais non, non, mon système d'eau, il marche. Allez, faut se consacrer à autre chose maintenant. Très bien, on s'applaudit. Là, tac, 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 c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, là, j'ai mes salles qui font 1, 2, 3. Ah, ça, je peux les détruire, ça, tiens. De toute façon, on va faire beaucoup de destruction, là. On va même carrément raser, en fait, on va détruire tout ce qui est là. On va creuser, on va tout faire. Ou alors, je pourrais commencer par là-haut. Non, non, je vais commencer. Parce qu'il y a des trucs sympas, là, il y a de l'oxygène. Oh, j'en ai plein d'oxygène. J'ai aussi beaucoup d'oxygène pollué, mais ceci est un détail. Ah bah oui, maintenant qu'on a plein d'eau. Activer l'équipement. Alors ça consomme, mais ça va faire baisser le CO2. Très bien. Alors, c'est du 5. On va le mettre en 9. C'est fou. C'est fou tout ce qu'il y avait comme saleté ici. Et qui va être rangé dans les crofts grâce à ce système. Alors évidemment, ça m'a pris un peu de temps à mettre en place. Mais quand on voit le temps que ça fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah parce que c'est trop... Ils ont pas le temps, eux. Ils n'ont pas le temps d'attendre que le truc il fasse le boulot. C'est vrai, j'oublie ça. Mais c'est pas grave, faites du ménage de toute façon. Je l'ai mis en 6. En attendant, on va faire autre chose. Ici. Donc. Les dalles en aluminium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ici la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 12, 13. Ici la suivante. Ça, c'est la dernière. Donc ici, on a du grès. Allez. On va faire la base, là. Il n'y a pas de raison que ce soit pas fait. Et ça veut donc dire que l'échelle en grès, elle se situe ici. Oui, je sais, ça va mouiller. Très bien. La barre de pompier est ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Il y a pas de problème. Ici, on va faire hop, 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 hop. Hop, hop, à ce niveau-là, toc, toc. Ensuite, ici du grès. Toc, toc.
Toc, toc, toc. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que je voulais creuser ça. Voilà. Ensuite ici, maintenant qu'on a fait ça, on va creuser tout ça. Qui est-ce qui se plaint là? Qui est-ce qui est pas content là? Qu'est-ce qu'ils ont là? Ah bah ils suffoquent. D'accord, t'as encore creusé comme un crétin, toi. On l'entendait si bien. Il va mourir, il va mourir. Tu vas mourir, t'es sérieux? Ah, t'as trouvé un peu d'oxygène sale. Eh bah, tant mieux pour toi. Ah, t'es vite de mourir. Ça m'a embêté d'avoir un mort. Enfin, la bêtise, hein. On peut rien faire contre. T'as attrapé froid en plus. Ah, bravo, félicitations. T'as tout gagné. Allez, hop. Hop, 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 hop. Non, pas de pénurie alimentaire, ça va. On n'a pas beaucoup d'eau, mais on en a. Alors, le dioxyde de carbone, il descend ou pas? Alors on a beaucoup d'oxygène pollué là-haut, hein. Donc il va falloir quand même à un moment ou un autre. Ah oui. Ils ont rangé ça. Il y a un moment où il va falloir. Ah bah oui, parce que quand ils ont rien à faire, ils viennent amener les trucs là. Ils sont donc jamais inoccupés. Donc on va. Oui, ça va être un. C'est long le rangement là. Je voyais ça un peu plus rapide quand même, hein, comme système. Ouais, bien. Bon. Alors là, la ferme, elle est en état de décès complet. Voilà pourquoi je veux creuser, faire rentrer du froid et après isoler. Parce que je veux pas isoler maintenant pour après me dire, ah ben oui, mais il faut que je m'agrandisse. La ferme, on s'en passe très bien, on peut manger de la terre, hein. On a mangé de la terre 50 jours, on peut recommencer à manger de la terre 50 jours. Tant qu'on en a. On en a. On en a 165 tonnes. Et donc, qu'est-ce qu'on va bien manger? Allez, fais-toi plaisir. Voilà, alors là l'échelle techniquement elle est pas non plus inutile, utile. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Ça, on va la détruire là. Lampe. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre dans ces pièces, hein. Aucune idée. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Monsieur Vautré, c'est ici. Ah, j'ai dit ouh là 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 là, mais il n'y avait rien de grave, hein. Vous inquiétez pas. Personne n'est mort pour l'instant. Il me semble. Ah mais je fais tous des trucs moi en x5, donc du coup ils préfèrent aller ramasser les gars. Allez go là. Bossez un peu sur ce que je vous ai demandé de faire quoi. Pas la bonne hauteur. Voilà. Et là, on va enfin pouvoir la mettre. Et du coup, bah du coup, voilà. Après, normalement, techniquement, il y avait des trucs à mettre là, mais je suspecte que la salle, je vais la faire, je vais la continuer en couloir.
Je pense qu'ici, je vais faire mon système de gestion de l'air, en fait, de la ferme. Tout le système de gestion, de climatisation, de température va être installé ici. On va faire une salle de climatisation, en fait, de la ferme. Comme ça, on pourra la fermer. J'arrête de faire tout en 5 et il faut que j'arrête de faire tout en 9. C'est du 7. Voilà. Et là, on va refaire une pièce de 13, hein, donc on va encore avancer un peu. Et après, on va creuser notre trou d'isolation. Comme ici, en fait. Alors là, le mur, il n'est pas nécessaire en réalité, hein. Il est nécessaire quand on veut empêcher les gaz de circuler. Parce qu'en fait, les gaz vont contribuer, ici, vont peu à peu se réchauffer quand même, avec les échanges de température là. Et donc, ça évite d'avoir des gaz qui aillent chercher du froid d'ici et qui le ramènent là-bas. Ça a jamais gelé ici, c'est marrant. Ah, ils sont toujours dans leur nettoyage là? Ah ouais, ils sont à fond dedans, hein. Mais je voudrais que vous arrêtiez ça parce que, en réalité, les sweeps là. Parce qu'en réalité, vous perdez votre temps à faire tout d'un coup, en fait. Voilà, allez bosser là plutôt. Il y a plein de choses à faire là. Oh, bah dis donc, t'as choisi le plus simple, toi. Pénurie alimentaire. Non, mais c'est bon. C'est des fausses pénuries, quoi. Pénurie, c'est quand il n'y a plus à manger. 3, 6, 9, 12, 13. Voilà. Et donc ça, c'est un mur isolé, par contre. Oh, un dernier cadeau. Oh, de l'eau. Mais ça va m'inonder en fait, en vrai. Agriculture, créativité. Bof. Bof, de l'eau. Je vais me la prendre dans la. Je vais me la prendre en bouteille. En bouteille. 2 tonnes d'eau. Il y a deux cases, hein, c'est pas non plus la mort. Est-ce qu'un jour ça va monter le niveau d'eau là? Bah non, ça monte pas. Eh oui, mais ça c'est normal. Hein. Bah non, elle a pas fondu l'eau. Elle fond plus? Elle arrive à moins 3 degrés. 30 secondes. Surtout que c'est pas gênant parce qu'une fois que c'est fondu, après, chut, ça avance jusqu'au bout, quoi. Allez, allez, on a besoin d'agrandir. Est-ce que ça fonctionne ça? Oui. Après, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'eau, c'est parce que. On s'en sert aussi pour enlever le dioxyde de carbone, mais en même temps. Ah ouais, quand même là. Bon, bah écoutez, ça fera l'eau que ça fera. Hein. N'oublions pas qu'après, de toute façon, on va pouvoir recycler l'eau qui est ici et qui monte. Quand elle arrivera à cette hauteur-là, on commencera à supprimer tout ça pour le déplacer là-haut. Et bien entendu, après on fermera cette salle-là, on fermera cette salle-là. Ici, on va gérer à la fois
l'oxygène pollué qui est créé ici en fait, hein, en grande partie, et la décarbonisation qu'on va déplacer sûrement, sûrement dans cette zone-là en fait, hein. C'est-à-dire que ça, on va le déplacer, on va le mettre plutôt vers là-haut, et pour que ça fasse de la chaleur plutôt vers la base. Et ici, on va faire la décontamination du carbone. Voilà. Alors, recherche terminée. Point de compétence gagné. Aucune recherche. On va aller voir ce que c'est qu'on a fait. Bon, on va faire ça, tiens. Tout pour les animaux. Ok, là, on est pas mal. On va démolir ça. Tant que je vois qu'ils ont des trucs à faire, moi je m'inquiète pas. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'urgence. Alors on va faire la petite dalle. Est-ce qu'ils ont mis les œufs ici? Ben oui. Donc j'en veux plus des œufs. Voilà. Hop là. Incubation 4%. L'habilité. D'accord. Et alors, il a quoi? Il a besoin de quoi? Ok. C'est dommage. Et il a besoin de quoi en vrai? Bon, on sait pas. Il aurait fallu que je les mette dans des écloseurs. Est-ce que je peux faire un écloseur? Ben non, je suis en train de les rechercher les trucs. C'est la vie. Voilà. Hop là. Je pense qu'ici on va fermer naturellement. Que ici on va vivre comme ça là. Dangereusement. C'est la pause là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je déteste ce moment où j'ai mis tout le monde en pause. C'est une vraie catastrophe. C'est un stress pour moi. Ah non, mais c'est... Mais ils sont morts là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ah, ça j'aime. Ça me plaît. Ok, démolir, 9, là, alors, on va plutôt construire en granit ici au cas où. Et ça va aller plus loin encore. Ah ouais. On en a des trucs à creuser là. Et on va tout faire tomber hein, en fait. Je devrais creuser ici. Puis après, creuser en dessous et tout faire tomber. Et comme ça, à la fin, je sweep. Plutôt que de construire. Je devrais partir d'en haut en fait. J'ai jamais rien ramassé. Faire ça. Bon, pas forcément pour là parce que là c'est un peu tard. Puis là ça va être gênant. Bon, on va s'arrêter là. L'eau, ça marche. Ah, ça marche mieux là, dites donc. Bah, c'est intéressant, ça marche mieux en fait. Oh là, beaucoup mieux. Il est en train d'envoyer plein d'eau là. Ah mais ouais!
Même eux, ils sont complets là. Ah bah oui, bah là c'est la fête. C'est la fête de l'eau. Par contre, c'est pas l'air d'être la fête du. On a plus assez d'énergie, ouais. Ouais, c'est ça. On a plus assez d'énergie parce qu'en fait, sur le réseau, la taille circuit 1,8. Puissance produite, puissance consommée 1,8. Voilà, on produit 1,8 sur 1,8. Il va vraiment falloir que je fasse une vraie salle de production. Et je pense que je vais la faire ici, j'aurai plus d'espace. Une salle de production avec. Ben on peut améliorer la production des générateurs de charbon pour qu'ils deviennent plus puissants. Pour ça, il faut une station. Une station de contrôle de l'énergie. Voilà. Et ça crée. Avec des petites puces qu'on va mettre dans les. Dans les générateurs, on améliore la puissance et la capacité du générateur et donc proportionnellement on produit plus par rapport au charbon dépensé. Je pensais pas en avoir une urgence, mais en fait le charbon il part trop vite. Il part vite et surtout même en partant vite, j'arrive pas à produire assez. Donc on va re-avoir une crise du charbon à gérer dans le prochain épisode, même si j'en vois là-bas. Mais clairement, on ne peut pas gérer ça dans une petite salle comme ça. Il faut faire une salle qui soit adaptée. Cette station va dans une salle qui s'appelle la centrale électrique. Voilà. Et qui doit faire 96. C'est le même principe que la ferme. Hein, qui doit faire 96. Donc on va faire des centrales à charbon. Vous voyez. Et elle va être un peu plus haute, bien sûr, puisque les centrales à charbon sont hautes. La centrale et les trucs qui ravitaillent le charbon avec les coffres au-dessus. Voilà. Ça sera exactement le même système. Et puis la batterie de contrôle, pareil, qui sera posée au-dessus. Voilà, on va faire ça très 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 probablement. Plutôt ici, dans ce hauteur-là, pour pas avoir à gérer le CO2 et pouvoir faire la gestion des gaz en dessous, en fait. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé. A tout de suite pour la suite.